minutes, donc m'a bailler temps pour et poser question. Et puis moi gain Stanley qui là, gain Lobensia, Ansi, Fenel, salut nous toutes et pour famille et salut nous toutes. Donc tout de suite m'a commencé donc et pour pas non et retourner à zéro de temps en temps. Donc nous tous mute net et puis après si y a une question nous allons lever main bientôt poser des questions dans message et dans chat là. Donc sans problème m'a répondre. OK. Et petite présentation maintenant. Donc son présentation que moi fait déjà vous en prête numérique mais il faut en prête numérique. Donc que nous parlons ouais et il en mettre donc ça somme tout fait dans introduction dans PowerPoint là donc n'a tout de suite donc si nous besoin contacter donc pas difficile pour nous joindre information et n'a fait présentation. OK, c'est vrai que grand plan qui dit évolution du web, le nombre de connectés en 2019 etc, introduction à l'identité numérique, mais et dans temps de gain, donc m'a passé très sommairement sous présentation. Et Jean Noël, c'est évolution du web. Donc nous et qui est-ce qui t'a inventé et web là? Youn, en fait il y a Tim et Berners-Lee et Robert Caillaux et en 1999, c'est eux-mêmes qui t'a inventé web là. Et puis nous, pour qui ça, il était venu avec Weblan. Donc, c'est un service qui était fait pour capable et permettre que y ait un bon scientifique dans le monde là pour capable échanger information et de manière instantanée. Et puis, c'est en 1999 que Weblan a ouvert au grand public. Et puis, nous voilà et Web 1.0 qui c'est Web passif, donc en 1990. Et donc, c'est-à-dire, c'est comme si c'est entreprise qui a vos informations seulement, donc pas de gain, trop d'interactions. Donc, en 2000, pour le gain, le web est 2.0. Donc, c'est avec pour le gain, le web collaboratif. Donc, c'est-à-dire, n'a pas échanger, n'a pas commenter, n'a pas partager, etc. Bien, ensuite, n'a pas le nombre de connectés en 2019. Donc, n'a pas et gain un peu de différence après et plus de 5 milliards et en janvier 2019 il gain plus de 5 milliards de mobiles uniques et puis en augmentation de 100 millions sur un an donc ça qui dit un pile donc un pile initiative qui et un pile initiative qui est dans ce sens tout mais nous un pile monde tout qui vient à l'aide de connexion mobile qui vient et une possibilité monter sur internet foncer de bagages. Et puis nous regarder l'autre donc et chaque année et était vraiment bas donc m'a venir avec les chiffres sous ça donc pour me sortir depuis en 1990 pour me monter dans 2019 mais il y a une grosse différence dans gens ça le nombre de connectés y a augmenté donc c'est peut-être ça et comportement ou bien point numérique là vraiment important pour tout le monde parce que et comme on a dit y a changement et massif et comme j'ai dit et un gros changement qui fait par rapport avec et année donc sous nombre de monde qui connecté et nous qu'on y a là avec surtout coronavirus et qui genre et ça d'actualité comment tout le monde conseille de grande réunion qui est annulée donc qui fait entièrement à distance exemple flagrant ICANN 60 et 67 qui était de fait Mexique donc qui fait entièrement à distance. Bien rapidement, on a fait une introduction à l'identité numérique d'abord. Au sein de cet univers connecté, l'identité numérique est essentiellement constituée de nos écritures. Donc, on va dire que ça qui paraît comme écriture, nous. Et nous donc, c'est réputation, nous. Ça a dit sous, et sur Internet. Et expression, et ce que je dis samedi. Et réseau, qui je connais. Certification qui peut certifier mon identité, ce que je partage et publication, achat ce que j'achète, etc. Donc, tout vraiment important et pour être capable de dire qui est souillé et dans le monde et, ou bien dans l'univers et numérique.
Et puis, empreinte numérique, là, donc ces traces, ces marques que nous laissons derrière nous quand nous naviguons sur Internet. Donc, je vais passer très rapide. Après, si nous avons une question, nous pouvons poser des questions. Et bah, une petite expérience tout simple, pardon. Et chaque visite que nous faisons sur un site web, nous avons une série d'informations personnelles comme adresse IP, nom, emplacement géographique, nom, navigateur web, nom, et système d'exploitation, nom. Et puis souvent, dernier site que nous visitons. Par exemple, si vous avez un site que vous ne voulez pas que vous visitez, donc il y a quelques entreprises qui ont traqué et qui ont ouvert le dernier site web que vous avez visité. Donc, ouais, dernier site web, donc c'est pas dans le sens où vous êtes capable et formal, etc. Mais c'est plutôt pour capable et puis bien cibler et clientèle lien. Donc, ce qu'on garde, donc, ça permet de connaître si ou son potentiel client. Et puis, il y a une trace, non? Il y a une trace volontaire, les traces subies, les traces involontaires. Et traces volontaires, c'est ça nous crée. Donc, par exemple, pour faire une publication sur Facebook ou Esprimo, donc, ça, c'est trace volontaire, c'est vous-même qui mettez ça. Et vous publiez en photo, vous publiez en vidéo, etc. Les traces subies, et c'est ça qui concerne nous, mais c'est l'autre monde qui l'a gueule. Donc, c'est ça. Les traces involontaires, donc, c'est ça me fait parler là, tout à l'heure. Elle me dit comme ça, adresse IP, emplacement géographique, etc. Leur visite en site web. Donc, c'est traces involontaires, même si y a tout souligné encore. Donc, et puis, nous connaissons Internet Protocol et numéro unique. Qui est capable de permettre que identifie un ordinateur sur son Internet, donc il est en cours un chiffre. Et puis il y a cookies, ces fichiers ordinateur et fichiers qui ont été sur ordinateur, donc pour monter son site web. Donc c'est lui-même qui permet que il améliore l'expérience utilisateur, donc il est capable. Et pour site web, là, donc après. C'est tout et toujours à des fins marketing, je trouve. Et puis, pas mal et bien rapide. Et se soucier de son empreinte numérique, c'est protéger sa réputation, décider de quand et comment se partager ses informations personnelles et empêcher les pertes financières et préserver sa liberté. Donc, de vous parler de l'empreinte numérique, même si parfois il est capable de lier avec le réseau social, mais il compte parfois lier tout avec l'application ou bien et navigateur, nous tout, etc. J'aime des détails. Donc, protéger les données personnelles, nous, c'est par exemple, quelques conseils qu'on bail plus souvent, c'est par exemple effacer l'historique de navigation, nous. Et limiter l'autorisation application et gapil téléphone longtemps qui pas de conseil de bagage mais qui à jour qui permettent que vous dites et qui est en fait qui autorisation que vous bail application ça sur téléphone parce que vous bail l'autorisation pour le cas à la boîte des photos vidéos etc. Et pour entrer dans, comme on dit, boîte privée, parce qu'il y a quelques barrières qu'on mettait, que vous pas jamais les publier. Ou bien tout le monde a accès à clé. Et puis, créer un mot de passe compliqué, donc, même si parfois, nous il y a des gens qui disent qu'il y a oublié le mot de passe, donc, et si vous pas bail mot de passe l'importance, donc, vous pas bail données et personnelles ou tout, importance. Ou bien vie privée, tout importance. Et puis utiliser navigateur privé. Donc, le monde qui a plein, et les gens qui montent sur YouTube ou bien montent sur un site de recherche, ils écrivent justement comment c'est qu'on bagaille, mais ça, ils ouais, qui peut le finir là-dedans. Donc, ils ne peuvent pas même ouais, qui ont fait une telle recherche. Donc, ils paraissent gênants pour eux. Donc, pour cela, donc les conseillers vous utilisez navigateur et navigation privée plutôt. Donc même si il y a la Chrome, il y a l'autre navigateur, donc on vient de partir côté chercher et navigateur privé parce que vous venez utiliser donc tout historique là, l'étoile la ville. Vous utilisez des logiciels mis à jour
Et puis, l'autre, c'est utiliser un moteur de recherche qui ne conserve pas vos données personnelles. Donc, c'est conseil ça seulement. Donc, développer très court. Donc, et puis, s'il y a une question, peut-être que mon cas dit plus. Donc, maintenant. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question? Ou bien est-ce qu'il ne va pas bien entendre? Allô? Allô? Ah oui, merci un peu le président parce que vous allez là rapidement, mais vous balayez un peu le point qui est extrêmement important pour nous capables de comprendre sur qui j'en peux protéger. Et nous allons quitter là pour nous connaître si quelqu'un qui a une question, moi, Finel. Allô? Bergat? OK. Oui. Nous disons d'avoir passé ensemble avec nous pour nous connaître si il y a nous qui ont une question pour nous capables de nous approfondir plus et pour nous dire là, nous avons une dizaine de minutes dans nous là pour nous approfondir point ça. Bon, en fait, allô? Oui, nous là. Puis déjà, moi félicite Sandy pour l'intervention. Bon, déjà, le fait que le métier est disponible pour nous placer l'idée sous thématique, ça. Donc, j'en ai dit, donc, ça montre que, en dépit de tout, et Internet, l'ambiance technologique, donc, ça permet de nous faire, même lorsque nous avons. Et en fait, même question pendant bien que pas de temps vraiment qui fait le pas à détail. Donc c'est plus sur dernier slide là, pour que je parle de navigateur privé, pour que je parle de bonne mesure pour capable prendre. Mais en fait, ou juste dit, mais les gens qui pas vraiment madri dans la technologie, ou pas vraiment capable de connaître comment faire. Well, donc, moi, c'est le cas plus pratique, ou bien c'est le cas dans nos débats pratiques, donc, qui est capable de vraiment aider le monde. Ça, c'est première préoccupation. Deuxième préoccupation, c'est par rapport avec des attributs cachés, c'est-à-dire que de bail de l'autre monde capable de voir sous rapport avec l'empreinte numérique. Ou même on pas même rendre compte. Donc c'est toujours par rapport avec même première question. Donc c'est comment on monte. Parce que des gens qui juste pas qu'on a dans la question technologique, qui viennent mon téléphone, qui ont un laptop, qui ont ça les soucis, qui fait ça le besoin, puis après ça le besoin. Comment je suis capable de préserver des yeah. Donc surtout par rapport à la dernière slide, là, avec mon bail de bail très, très pratique. Et c'est Fennel. OK. Et merci Fennel et me comprendre et préoccupation. Donc je sais que je fais une présentation et similaire avec Raphaël et mais laisse ça nous t'ai grand pile temps, on était au moins une heure et demie donc pour nous faire une présentation et puis t'es gain nous t'es dans salle côté gain monde qui smartphone etc. Donc nous te font série de exercices pratiques et avec les monde qui était dans formation mais malheureusement qu'on y a c'est plutôt que nous qu'à expliquer et toute étape qu'on y a là pour me dire comme ça mais qui bon pour aller sur Internet. C'est vrai c'est facile au grand monde qui est dans réunion l'autre monde moi ça me voilà je peut-être que le par contre c'est le mieux. C'est le pas mieux. OK. Oui, et Mbapka, pour Fennel toujours m'a parlé. Donc, c'est Mbapka montrer directement sur son téléphone pour Kounia là. Et je pense que Kounia là, je me suis à peine 8 minutes. Donc, m'a répondu à une question et qui est plus ou moins théorique ou bien qui a un rapport avec conseil très large. Mbapka, disons, faire pratique ou bien montrer qui j'ai pour mon fonds de bagaille. Dans tout ça, même pour limiter et autorisation sur application.
Donc c'est ça. Fenel pense qu'on gagne étiquette qui a fait un bon travail. Donc je pense que les corona fin passé peut-être pour me faire ça. Et Raphaël qui dit ou bien Raphaël Nek qui a aidé dans un petit moment, nous faisons ça, nous faisons une bonne séance de formation pratique pour nous. Donc sans problème. Et ma place. Parce que yon en formation comme ça, il a supposé faire sous forme d'atelier. Côté que tout le monde vient avec gadget électronique yo pour ça nous on donc nous expliquer et informatique et musique genre de discipline ça yo donc yo théorique mais yo beaucoup plus pratique donc et voilà parce que si c'est pour théorie donc tout le monde garde égal sur internet ou fait de recherche etc. Donc maintenant c'est mettre en œuvre qui toute difficulté là. Allô c'est logique. Oui, et m'ta de conseil là et finalement si en pile pour lui et nous pour aller faire en sorte que Jean Robert dia pour nous mettre plus séances pratiques et les qu'on a bon temps là pour nous capable avancer sur lui. Mais l'autre possibilité on capable utiliser tout en attendant que nous pour qu'on joindre espace là à cause corona, c'est sous chaîne YouTube là. Nous avons quelques vidéos qui fait déjà sur ça et puis séance yo n'a mettre au souli gain séance on fait avec Candy gain l'autre séance qui était enregistré seul qui parlait de quelques points ça yo et dit nous capable faire ça et nous va faire en sorte que nous capable enregistrer plus vidéos possible pour permettre nous joindre tout disponible ça dit pendant n'a suivre nous ca faire pratique sur lui et plutôt et cap commencer et aider nous dans cas et qu'on a pour qu'on nous plus espace. La petite ça moyen ça toujours et puis automatiquement nous joindre terrain pour nous capable faire plus ouverture sur lui. Merci en fait. Bonjour tout le monde et moi c'était Haïti pour initiative cela et Obed moi c'est Raquel n'a pas me connecter sur pour famille parce que actuellement là moi à travail et moi sorti. OK, question pam là, il était aller sur par Fenel là, mais malheureusement et moi t'ai des réponses Obed là pour Fenel là, mais j'espère que m'a joindre une réponse après, c'est concernant empreinte digitale là qui gens que nous ca mieux faire usage de internet là pour que nous moins utiliser ou bien moins quitter trace nous sur plateforme. Donc j'espère que dans atelier pratique yo ça capable répondre. Kuna question gen qui plus théorique qui apport ou comprendre de NTIC avec évolution mais ça qui a passé pour qu'on y a soit en dit 6 7 juillet dernier en conjoncture pays et actuellement coronavirus tout ça qui gens ou comprendre apport ça entre NTIC ensemble avec conjoncture ensemble avec un changement qui fait peut-être dans environnement. Merci pour question. Donc c'est vrai que il faut me clair que un petit ou bien un petit qui est très large et moi-même m'a prendre l'encadre et de présentation non, sous question en point numérique. Donc plus dans le sens que nous devons participer dans la campagne de sensibilisation yo. Et puis moi tout dans le sens que battre pour nous pas conseil de monde cap et relayer fake news et fausse information pour permettre pour induire monde en erreur donc pour faire tête monde chaud mais et c'est pour nous là pour nous publier des informations et fiables pour aider monde donc parce que en point numérique là tout c'est vrai que mal était rapide mais li lié aussi avec Jean Théo est allé à l'aide parler de m'était parlé de fonti tourner présentation sur ça. Donc ça a un plus rapport avec les réseaux sociaux et tout donc réputation, expression, réseau et publication, achat, opinion, y a tout un rapport avec les réseaux sociaux ou bien l'autre plateforme. Donc et sans publier, c'est lié. Donc c'est ça et y a un dicton dit tout. Donc si on publie une série de informations et qui comment capable de fallacieuse donc ça et impacté et en fait ça a bien incidence sur l'identité numérique donc et puis et à l'avenir ça a affecté personnellement ou bien professionnellement donc conseil moi c'est à relayer
d'information fiable. Et donc information fiable qui a venu de une série de monde qui et gain crédit dans domaine donc qui compte ça dit parce que pour qu'on y a là on pas saisir ouais tout monde c'est juriste mais gain monde qui sorti dans cercle quand même qui va pas partager n'importe bagaille donc c'est ça. Merci, j'espère que vous répondez. Yeah, jusqu'à présent c'est OK. OK. Merci. Est-ce que nous avons l'autre question? Allô? Ok, non, non, si pas l'autre question. Par contre, c'est quand l'autre monde avant. Oui, Hans, président Hans Mandé, à propos de historique navigation, mais elle n'a pas fini qu'il net, par contre, exactement. Oui, oui, oui. Bon. Ok, mais. Oui, entendez-moi? Oui, oui, entendez-moi. Ok. Alors, et merci un peu pour la présentation. Hein. C'est pour vous participer dans la vidéo, alors, dans la réunion en ligne. Ok. Alors, via l'application, ça, c'est un plaisir. Et merci d'être où tu prends le temps pour exposer pour nous. Alors, moi, je vais faire quelques screenshots à partir de iPad, moi, vu que par contre, je n'ai pas accès à documents. Mais je vais plus rester focus sur cause qui a rapport avec historique navigation. Yo. Donc, est-ce que vraiment l'or est facile, il est facile net, puisque nous connaissons aussitôt que nous postons, peu importe ça, nous postons sous toile là, nous connaissons Internet, nous postons net. Et est-ce que vraiment historique ça a effacé? Ou du moins, ce qui j'en nous a assuré nous que vraiment, lorsqu'on efface son bagage, il parité vraiment sous toile là. Donc, nous connaissons les postes, les postes vrais. Merci. Et en fait, je vais parler de. Et c'est vrai que je comprends cette question là. Et. Je parle de historique de navigation, je parle de histoire postée. Historique de navigation, donc par exemple, sous téléphone, donc il y a un site que vous visitez ou bien quand pile monde, en fait, je n'ai pas besoin de dire quand pile monde, nous connaissons, en fait, quand pile bagaille que nous, site n'a visité, que nous pas t'arrêter, mais monde connaît que nous avons visité. Donc ça, c'est vie privée, nous tous. Donc, il vient concerner, il vient bien avec vie, nous tous. Donc, et puis si nous faisons par exemple nous visitons un site que nous pas d'avlé mon ouais site nous visiter etc donc parce que ça lié à nous donc mieux vaut que nous retirer ça sous la historique de navigation nous retirer ça donc c'est un conseil pratique donc parce qu'il est très facile que nous qu'a fait. Et puis, pour question, il n'y a pas grand qui est facile. Hein? Donc, oui, tout le monde connaît depuis un bagage, ni sur Facebook, ni sur l'autre plateforme, etc. Donc, depuis, on est en upload ou bien on est en mettant un bagage en ligne. Donc, il n'y a pas effacé comme ça. Donc, il n'y a pas effacé comme ça. Même s'il y a, pour qu'on y a tout, il y a possibilité de sauter sur une plateforme. Donc, comme Instagram par exemple ou tu sur plateforme donc vous voulez sortir donc il y a possibilité pour sortir et puis pour sortir avec toutes les données donc il y a possibilité ça mais historique de navigation donc c'est et puisque ça concerne nous bon surtout par exemple en Haïti et si il y a un monde qui pas vraiment à garder toute journée sur visite donc il cas font et on bagarre ça et qui cas affecte tout normalement donc c'est ça. Papa, je t'en ai encore. Ok, merci. Merci un peu le président. Moi, je vous en prie. Par contre, je suis capable. Oui, ok. On m'a allé. Encore une fois, c'est vraiment belle. Ok, moi, j'ai une question, Robert. Ok, de préférence, qui conseille de préférence nous-mêmes qui travaillons dans le domaine, ça, qui n'a chance, ça, capable de porter comme apport dans la question, je connais dans le monde, mais puisque on parle de type nous en Haïti, de fake news qui a partagé. C'est que tout haïtien qu'on a eu journaliste, tout haïtien qu'on a eu information. Donc, il y a accès à l'information. Nous sommes avec l'ambassade américaine dans cette séance, côté que y a besoin vérifier
et toi avec bien échappé, me vérifie avant que vous partagez tout ça, mais malheureusement puis mon yo pas fait ça. Donc puisque on dit puisque dans l'aspect corona et actuellement qu'il y a des problèmes en Haïti, mon yo côté que je n'ai pas d'information yo tag yo partager etc sans vérifier si site là les 2000 c'est OK c'est tout bail ça. Donc nous même quand travaille dans champ ça ou même au bête Haïti etc, donc qui a pour nous porter à travers page ou bien plateforme que nous là dans lieu même Jean Jodia là nous fait ici en ça mais qui vraiment bon pour nous mais qui t'a doué bon pour en pile l'autre jeune encore que malheureusement qui pas connecté là à peine en dit nous comme 10 graines qu'est-ce qui là qui pourrait le faire un apparition quelconque, mais qu'on a qui gens que nous-mêmes à pop à non bral potel soit sur plateforme etc ou bien à travers les groupements, les ateliers tout ça pour nous parler avec moun kap use internet yo et abonnissant de préférence. Je pense à quel très question très intéressant et pensez ou même tout ou doit poser cette question. Et parce que nous tous nous devons poser nos questions ça. Parce que et commencer comme ça. Donc tout avant hier nous préparions une présentation avec Attic et avec un docteur qui était formateur dans santé publique et Louvain. Donc avec nous font en séance de 2 heures de temps et d'échange et sous coronavirus. Donc, et puis pour te parler tout de rapport éthique capable et poté dans ça. Donc, les bail en pile et bon genre information. Les bail en pile bon genre information sur qui gens et mon cas utilisé et PIC pour combattre maladie et fléau qui est le coronavirus. Puis c'est avec parce que n'a planifié sur ça donc vidéo en bas pour nous et permettre que nous soit découpé nous font gens pour permettre que Noël parce que gens en pile fake news les empiler fausses informations à partager donc des pour gain ça qui bon donc et en pile monde qui a pour ça qui bon tout et puis en pile monde a partagé ça qui et qui bon mais nous connaît tout en pile monde tout qui profite pour faire gros buzz tout pour capable de jouer en pile partage pile like en pile commente etc donc et puis donc c'est ça donc qui compte faire que parfois même et c'est comme j'ai l'impression que et fait noir et plus clair et fait noir plus clairé parce que lumière dans sens ça donc c'est ça mais c'est campagne pas nous et n'a continué avec une campagne et sous information et comme qu'a dit qui est fiable dans sens dans sens ça et c'est ça que nous avons fait pour le moment et à l'avenir on a regardé ça nous avons fait allô et pour... OK allô. Oui, allô. Fenet. Oui, par rapport avec préoccupation Raquel là, parce que même travaillant pile sous question ça, question fake news, question d'identité, communication technologique, etc. Donc moi c'est bien plusieurs bagages on capable faire et que je sois en tant que jeune, en tant que leader, en tant que monde qui a visé. Premier bagage on capable faire c'est éviter partager information ça. Ou bien l'homme on partage information ba ou garder authenticité et si par exemple il concerne l'ambassade là la rigogne doit le font petit recherche sur en bas à dans sous site ambassade là c'est depuis son un message important il a mettre le sous site il a mettre le sous page yo ouais ça me zolan parce que moi pendant deux plusieurs fois alors j'ai des messages que me joigne par exemple bien doit un ami qui contacte me qui dit à Fenel etc moi au pirate bon gagne monde qui partager photo bail sous page etc etc photo tout uni. Donc il clique sous besoin ouais clique sur page ça mais elle me garder moi page li dit beaucoup même mal sous li non ça le dit qui Facebook là regarder ouais début site là c'est pas Facebook son bail fait juste pour capable automatiquement cliquer sur li ou vraiment le monde passer puis tout pirater compte ouais ou du moins c'est capable son virus donc tout ça entre là donc c'est premier bagage capable faire deuxième bagage capable faire c'est partager
contre-information ça. C'est-à-dire, une information qui dit que coronavirus et prend gain 50 moun en Haïti qui victime de coronavirus. Ah mais là même ou gain information ça, même moun qui partager la volant ou partager bon information. Déjà ou déconstruit information par là ou dit mais qui faille li gain et puis ou partager bon information qui officielle là et pour partager dans tout groupe. Après ça l'autre bagarre qu'on capable faire c'est essayer loguer des informations qui officielles, des informations qui authentiques. Ou partager avec des influenceurs donc de moun ou connaît qui capable mobiliser un pile moun par exemple elle parler li gars pile moun cap suivre et cetera et cetera donc ou assure que information ça que moun ça eux même yo gagne donc voilà jusqu'à présent c'est ça capable faire pour protéger tête tout et pour protéger de l'autre monde de bons conseils. Merci c'est son série de bons conseils. Oui. Yeah. Et bon, bah c'est pas une question. Pas une question, déjà traversé là, mais quand même les points étaient importants, faut que nous te partager. Oui, allô? Oui, président, n'ap dou merci parce que ou te mettez disponible pour nous pendant tant ça et nous pas grand pile monde mais nous sûr que message a li passer non cellule là et cellule ça pral permettre nous propager le faire arriver plus loin et nous même n'a pral faire en sorte que j'onté dit aller à nous réorganiser vidéo pour nous mettre disponible pour plus monde et pour plus monde ça dépend de monde qui pas là pour capable joindre disponible pour eux même et puis nous pral préparer tout pour l'autre séance et m'a tout profiter annoncer tout monde qui dans séance ça demain. N'a bien ensemble avec nous Kendi Montoy-Virus toujours dans même là lui même l'a vienne parler nous de les 9 pays en citoyen 9 pays citoyen numérique c'est 9 pays citoyen numérique demain dans même là n'a bien Kendi avec nous. Alors, nous allons faire en sorte que pendant période ça nous gagne que nous chita la caille nous utiliser les outils ça pour nous capable plus et discuter sur des points qui importants sensibiliser plus monde. Et nous avons fait en sorte que nous partager avec les gens pour être capable plus sensibiliser demain pour nous gagner plus de monde dans la science. Et puis nous-mêmes tout pour nous faire mobilisation au bon côté par nous. Parce que numérique là, et j'en ai dit qui ça nous a fait, ça nous a fait, il faut commencer sous moins, il faut commencer sous. C'est nous chacun ensemble qui doit faire ça et ça nous capable pour permettre numérique là propre. Parce que nous tout avons utilisé. D'accord, merci, c'est ton plaisir. Et bye bye à tout le monde. Ah mais d'accord, qu'est-ce que je fais?